Vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous êtes appelé à faire. Si par mégarde ou par mauvais conseil, on vous a dit que je ne suis pas moi, on vous a dit que venir vers moi c'est mauvais, vous allez sentir une désorientation dans votre énergie. Si on vous a... D'ailleurs, c'est le but de ces personnes. Lorsque vous sortez de moi et vous avez raison pour laquelle dans l'utérus, vous êtes dans de l'eau. Lorsque vous sortez de moi après que je vous ai façonné, tout dans ce monde va vouloir vous faire croire que vous devez vous éloigner de moi. On vous dépose une peur à l'intérieur de vous, me concernant. On vous fait croire que venir vers moi, c'est faux, c'est mauvais. On vous fait croire que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ou se rappellent qu'ils sortent de moi, sont de mauvaises personnes. Les filles retournent à leur mère aujourd'hui. Quelque chose va profondément vous appeler à l'intérieur. Et même si, à cause de vos problèmes d'argent et tout, mariage qui a échoué, les enfants, la scolarité, le loyer, même si dans tout ce bruit, vous avez choisi d'ignorer, cet appel, il reste le même à l'intérieur de vous. Je vous parlerai dans les rêves. Je vous connecterai à cette vidéo. Beaucoup d'entre vous, la nuit, vous ne dormez pas, bien sûr. Vous revenez à la maison. Il est temps de vivre votre royauté. Il est temps que votre esprit s'élève. Que votre esprit brise les chaînes avec lesquelles vous êtes né. Les chaînes de servitude. Lorsque l'on ne sait pas qui on est serviteur. Ne pas savoir qui on est et ce à quoi on a droit, ça rend esclave. Beaucoup d'entre vous, vous avez la puissance esprit pour attirer ce que vous voulez. Mais on vous a enchaîné l'esprit en vous faisant croire que c'est mauvais. En fait, vous attirez tous les jours, mais vous attirez ce qui est négatif. La peur qu'on a déposée en vous, c'est ça, la peur. Le monde aquatique est infini. La mer ne manquera jamais. La mer, votre maman. Tout est sous vos yeux, mais vous ne vous rendez pas compte. Tout est sous vos yeux. Je dis bien tout. Certains ont utilisé leur pouvoir pour devenir célèbres. Parce qu'ils connaissent les couleurs qu'ils doivent porter. Ils connaissent ce qu'il faut pour m'honorer. Ils connaissent comment traverser les portails. Ils savent se discipliner. Ils savent mettre les priorités énergétique. Vous êtes encastré dans des relations qui ne vous servent pas. Et encore, vous continuez. Vous vous donnez des excuses pour ne pas suivre votre instinct. Votre instinct vous ramènera toujours à la maison. Toujours. Toujours.
Vous savez à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas fait pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour la souffrance. L'obéissance est la clé, la promptitude à l'obéissance, c'est ça. Je pense que Jocelyne devrait mieux vous expliquer. La promptitude à l'obéissance. Vous êtes dans un jeu qui est très délicat. Ce jeu, vous l'avez choisi, bien sûr. La mère. Votre mère. Elle appelle ses filles. Revenez à la maison. Rappelez-vous de qui vous êtes. Quand on se rappelle de qui on est, on n'a plus peur. La peur n'est qu'un détail. Le sel est issu de la mer. Prenez 10 minutes de méditation le matin. Laissez votre esprit écouter ce qu'on veut vous enseigner. Parce qu'elle ne parlera pas tous les jours. Vous savez qu'elle aime se pointer ici et vous gronder. Non, parce que souvent elle est fatiguée. Parce que vous ne faites pas l'effort. C'est comme si vous aimez la souffrance. On ne se force pas pour faire. On lâche et on devient. Pour aller de 0 à 10 ans, tu n'as pas forcé. Tu es devenu. Vous êtes attiré par certaines choses. Et vous ressentez l'envie de les acheter, mais vous ne le faites pas. Vous oubliez. Une bataille se trouve entre ce que vous voulez faire et vos distractions. Et les distractions, croyez-moi, il y en a partout. Peu importe là où vous vivez, la nuit vous revenez à l'eau. Peu importe le pays, la sécheresse de votre pays, la nuit... Vous revenez à la maison. Vous avez donné vos pouvoirs à beaucoup de personnes. J'en vois beaucoup dans des mariages. Vos hommes sont allés consulter avant de vous épouser. Ils savaient ce que vous portez. Vous ne saviez pas ce que vous portez. C'est ironique, n'est-ce pas? Malgré le fait que vous êtes tombé sur cette page, vous faites toujours l'effort de ne pas savoir. Tout ce que vous avez qui vous revient, c'est vous qui l'avez permis ou c'est vous qui tolérez. Il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas de fille faible. J'ai des filles puissantes, mal accompagnées. Et parfois même entre vous, quand vous vous rencontrez entre sœurs, il y a des jalousies. Certaines m'ont mélangé, elles ont mélangé avec d'autres esprits. Du coup, elles ont la mère, mais la mère est diluée. Testez les personnes que vous écoutez. Est-ce que ça vous fortifie? Est-ce que ça vous ramène un peu plus à la maison? Comment vous sentez-vous actuellement? La force ne vient pas dans la paix. Voilà ce que vous pensez souvent. Oh non, si c'est ça, je dois sentir la paix, la joie, je dois sourire. On doit pousser un peu quelque chose dans ton corps pour rentrer ou pour t'amener à faire ce qu'on veut. Venons-en à ceux qui sont allés
essayer de se faire exorciser dans les églises. Vous ne pouvez pas retirer votre essence. Ah là 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 là. Le truc, c'est que si ces hommes qui essayaient de vous exorciser avaient la vérité en eux, ils viendraient apprendre de vous. Beaucoup d'entre eux ne portent pas la vérité. Et ils vous vident de votre énergie. Même ceux que vous écoutez en ligne. Beaucoup d'entre vous, vous avez été tissés par des accords faits avec votre mère. Maman est venue à nous, elle a dit, voilà, je veux avoir un enfant. Et elle vous a conçu. Vous sortez directement de l'eau, le liquide amniotique, le placenta. Faites fonctionner votre cerveau, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi on vous fait rejeter qui vous êtes à ce point. C'est comme un enfant qui naît et qui rejette sa mère. Vous n'êtes pas des serpents. Je crois qu'il n'y a que les serpents qui font ça. La maman tue ses enfants. Si je ne me trompe. Laissez votre esprit se libérer. Beaucoup d'entre vous, vous avez un esprit de serpent, mais qui ne vous veut pas de mal. Donc, même si vous vous faites exorciser, vous dites, commandez toujours à l'esprit serpent négatif, parce qu'il y en a des positifs, il y en a des négatifs. La richesse, très souvent, elle est liée au serpent. Ceux que vous qualifiez d'occultes ne le sont pas tous, ils ont juste compris. C'est comme en sciences naturelles. On vous parlait de la flore vaginale. Vous ne pouvez pas annuler votre flore vaginale. Vous ne pouvez pas prendre un désinfectant ou de l'eau de Javel, vous essuyer, vous dire ok. Parce qu'il y a des microbes là-dedans qui vous protègent. C'est un microbe, mais un microbe positif. La définition essentielle d'un microbe, c'est pas de faire du mal. C'est son nom, c'est le nom qu'on lui a donné. On l'a appelé microbe. Microbe ne veut pas dire mauvais. Il y en a qui sont utilisés. Des levures, appelez ça comme vous voulez. Hein. Levures, bon voilà, je ne sais pas un cours de science naturelle. Les levures sont utilisées pour le pain, pour la bière. Ce sont juste des êtres de petite taille, invisibles à l'œil nu. Ne rejetez pas tout ce qui est spirituel. Ne rejetez pas tous vos rêves. Parfois, vous avez été dans un ministère. En partant de là, vous avez rejeté tout ce que vous y avez appris. Or, vous avez été placé là-bas, ce n'était pas par hasard. Il y a toujours quelque chose de bien que vous tenez quelque part. La sagesse doit vous faire vous élever au-dessus de ce que les autres attendent de vous. Élevez-vous au-dessus des attentes des autres. La seule chose qui est attendue de vous, c'est de vous reconnecter. La seule chose qui est attendue de vous, c'est de prospérer. Et on voit très mal les personnes qui ont de l'argent. Très très mal. Lorsque tu commences à prendre ton pouvoir, à l'accepter, je t'apporte de l'argent. Pas sous ton oreiller la nuit, bien sûr. Tu lances des activités. Beaucoup d'entre vous avez lancé des activités, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des principes que vous ne mettez pas en place. Principes spirituels. Quand cette jeune femme vous enseigne,
vous ne pratiquez pas. Vous regardez ses vidéos. Et après, vous vous dites, oh, j'ai pas besoin de faire tout ce qu'elle dit. Malheureusement. Malheureusement, qu'est-ce que je peux vous dire? La mère n'est pas pauvre. Mère sans eux, mère avec eux. La maman n'est pas pauvre. Regardez. C'est pour ça que la mer s'étend généralement, peu importe le pays, c'est assez vaste. Et on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Plein de trésors y sont cachés. Beaucoup d'entre vous, votre argent va se multiplier si rapidement. Et croyez-moi, quand vous ouvrez cette partie, vous ne rentrez plus en arrière. Votre problème avant, c'est que vous aviez de la peine à m'accepter. C'est ça, parce que même votre mère biologique ne m'a pas accepté. Quand est-ce que vous aurez la sagesse? Quand? La sagesse, c'est le fait de savoir ce qui est bien pour toi et de faire ce qui est bien pour toi. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez, vous avez la connaissance. Vous n'avez pas la sagesse. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Et dans le spirituel, les moindres choses comptent. The smallest things, they count so much. Bon, je vais parler spécifiquement à l'une d'entre vous. Elle va se reconnaître. Ton corps va vibrer. Depuis quelques mois, tu me connais. Tu te rapproches de plus en plus. Tu te rapproches. Ton corps vibre à chaque fois que tu m'entends. Tes pieds, très souvent, vont être secs. Donc, il faudrait les hydrater le soir. Et fais l'effort d'avoir un bain à la baignoire au moins une fois par semaine ou une fois par mois. Fais l'effort. À défaut, trempe les pieds dans de l'eau énormément. Si on prend dans l'aspect qu'ils nous ont donné comme forme, on va dire que ta queue a besoin d'être mouillée. D'où la sécheresse. Et ton message, tes messages spirituels passent plus par tes pieds. Plus par tes pieds. Hydrate beaucoup tes pieds. Après les avoir plongés dans de l'eau, tu mets de la crème dessus. La crème, de l'huile. Hydrate tes pieds. Il y en a une autre, tu dois verser de l'eau entre tes omoplates, donc la zone qui se trouve quand on ferme un soutien-gorge, là où le fer reste derrière. De là, tu remontes jusqu'à ta nuque, le bas de ton cou, le haut de ton cou, pardon. Voilà. Donc, tu dois souvent rester sous la douche, tu verses de l'eau sur cette zone. Troisième zone que tu dois privilégier, tes omoplates jusqu'au coude. Tu dois appliquer beaucoup de l'eau et des parfums et des huiles sur ces zones. Beaucoup de déesses parmi vous, vous ne connaissez pas vos centres énergétiques. Vous ne connaissez pas, vous laissez qu'on vous enseigne n'importe comment. Écoutez votre corps. Dire quand vous êtes transformé pour venir en forme humaine, vous avez gardé des points de contact énergétiques. Ce sont des portails par lesquels vous vous rechargez. Vous amenez dans un environnement où ceux qu'on a trouvé nous rejettent. Ils ne sont pas censés vous accueillir à la base. Ils ne sont pas censés. Le rejet est une bénédiction
avez accepté, vous ne vous seriez pas activé. La transformation n'aurait pas eu lieu. Vous êtes censé opérer seul. Je vais le répéter, seul. T'as des villas, même si tu ne les fréquentes pas, tes villas peuvent rester comme ça. Pourquoi t'as besoin de mettre des gens là-dedans? Seul ne veut pas dire qu'on est seul. Seul veut dire qu'on s'entoure de ses vrais frères et sœurs. Seul veut dire qu'on laisse son esprit prendre de l'espace. Vous avez déjà dormi sur un lit avec quelqu'un? Les femmes célibataires savent de quoi je parle. Actuellement, si tu es célibataire, tu dors seul sur ton lit. Observe la nuit, ton énergie, ton champ énergétique s'étend plus. Quand tu dors avec quelqu'un, tu as l'impression souvent que tu suffoques. Tu n'as pas d'espace. Privilégiez les lits à double 1,80 m, 2 m pour le lit. Des grands lits. Et laissez généralement de l'espace à côté de vous. Ça paraît un peu fou, mais bon. Couchez-vous d'un côté, laissez l'autre côté. Privilégiez les grands lits. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de votre énergie est en train de grandir. Et voyez un peu comme si on vous donne une bassine de 10 litres. Vous remplissez la bassine de votre énergie. On vous donne un fût de 1000 litres. Vous remplissez. On vous donne un conteneur de 40 pieds. Vous remplissez. Malheureusement, certains d'entre vous restez limités au verre, le verre d'eau. Voilà ce que vous vous laissez faire. Vous serez surpris des idées que vous aurez. Des idées like crazy, crazy ideas. Les idées qui vous viendront à l'esprit. Ce que vous allez vous laisser penser. Parce que toute personne autour de vous vous influence. Sans parole. Sans vous parler. Et là, il y a des cloches qui sont en train de sonner. On vous appelle. Et quand on appelle, si vous êtes distraite, vous ne répondrez pas. Ok? Like, you know, you're arguing with your boyfriend and somebody's ringing at the door and you can't go. You can't open because you're arguing. Ok? Tu es en train d'avoir des problèmes avec ton gars. Quelqu'un sonne à la porte. Puisque tu es en plein problème, tu es en train de t'engueuler avec le gars, tu ne peux pas répondre à la porte. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'étais pas mariée? Mais qui vous a dit tout ça? Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Vous avez des empires à construire. Vous ne faites que commencer. Vous n'êtes que dans la phase moins 10. On n'a même pas encore commencé. Le premier niveau n'est pas encore là. On doit défaire. We have to undo a lot of things. On doit défaire beaucoup de choses qui ont été mises en vous. Il y a beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses qui doivent être défaites. Et vous devez laisser que ça se fasse. Beaucoup de personnes doivent tomber, partir, quitter. Ou bien vous les quittez. Et quand vous les quittez, vous commencez à acquérir. Les terrains que vous êtes en train d'acheter, les maisons que vous êtes en train d'avoir, ce n'est que 0,2% de ce que vous êtes censé avoir. C'est même pas le début. Oh, mes filles, notre royaume est abondant. Notre royaume est abondant. Quand les poissons ont des enfants, ils n'en font pas un. Ils n'en font pas deux. Leurs œufs sont toujours en centaines. Toujours, toujours, toujours. 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 Pourquoi vous vous limitez? Pourquoi avoir une source de revenus? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Bon, ceux qui seront en soins énergétiques, vous pouvez demander à parler un peu plus. Là, je reviendrai. Et pour l'instant, la reine Jocelyne veut reprendre son corps. Donc, au revoir.